الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Il y a aussi des actes qui sont aussi très fondamentaux qu'on ne doit jamais négliger la lecture du Coran, la mémorisation du Coran. Parce que dans les hadiths, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ta'ahadu ala al-Qur'an. Nous ne sommes pas ici dans la rubrique des critiques et tout ça, mais vous-même vous savez que ce que nous faisons, nous qui dirigeons parfois la prière, pendant Ramadan, on prend le Coran en main, on lit, ce n'est pas un bon comportement pour un imam. Parce que les salafs n'ont pas fait ça, et l'acte des salafs est meilleur. Et ça contredit la parole du messager d'Allah, Ta'ahadu ala al-Qur'an. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de revenir régulièrement sur le Coran. Parce que ce Coran a une facilité de disparaître dans la tête. Donc tu dois être matin et soir avec le Coran. Et tu dois, lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Omar ibn Khattab a demandé au Bey ibn Raqqa de lire le Coran, est-ce qu'Obey avait un moussa commun? Il lisait le Coran qu'il avait dans la tête. Nous aussi, on doit former des Obey ibn Raqqa. C'est pourquoi le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez bien, Amr ibn Abi Salama. Abi Salama était parmi les Ansar qui ont vite embrassé l'islam. Et à l'époque, il y avait des Rukban qui venaient de la Mecque vers la Médine. Chaque fois, on demandait au sujet du messager d'Allah, Mada bisahilikum, Mada karakel. Lorsque des expéditions venaient des commerçants et tout ça, les gens demandaient ce qui s'intéressait au messager d'Allah, mais qui était à la Médine. Après, ils recevaient certaines informations. À l'époque, les gens ne priaient pas en groupe. Une information est venue que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux musulmans de se rassembler et prier ensemble. Après, une autre information est venue. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya umul qawm akram bi kitabillah » Celui qui dirige la prière, c'est celui qui connaît le plus le Coran. Celui qui connaît le plus le Coran. Amr était un petit garçon. Il dit « Ma wajadu fil madina » On n'a pas trouvé à Médine une personne qui connaissait bien le Coran, sauf moi. Il dit « J'avais entre 7 et 9 ans, c'est-à-dire 9 et 7 ans. Au maximum, 9 ans. On a mis imam. Devant nous, avait un petit enfant de 9 ans, il priait derrière des gens qui avaient la barbe blanche même. Et puis, comme c'est un petit enfant de 9 ans, il n'est pas très prudent. Parfois, quand il se procède, ces petites parties honteuses apparaissent. Et puis, la prière n'est même pas finie. Une femme disait « Ustur anna ista imanikum »« Wafilaks khabu anna ista kariikum » Donc, comme il était petit, on se précipitait de l'aménager un peu et les femmes se sont attendues, elles ont acheté un bon vêtement à l'enfant et il portait ses disements farahtu. Je n'étais pas réjoui du réjouissance telle que celle que lorsqu'on m'a fait cadeau de cette bonne tenue. Il était là l'imam. L'imam n'est pas celui qui est forcément plus âgé. L'imam doit être celui qui connaît le Coran. On a entendu Cheikh Al-Albani dans les fatwas Ramadaniya, il dit, si vous avez des enfants excellents comme ça dans le Coran, même s'ils ont 10 ans, 11 ans, laissez qu'ils soient des imams, mais enseignez-leur le fiqh de la prière. Vous leur enseignez le fiqh de la prière. Parce que c'est le aman, il y a un mukaw, après on dit qu'il y a là, j'ai venu dans le hadith au 3e ou 4e degré. Parce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si les dieux connaissent le Coran, on prend celui qui connaît la sunna. Si les dieux sont dans le Coran, dans la sunna, là on regarde le plus âgé. Ou alors on regarde celui qui est le premier à faire la hijra. Ou on regarde celui qui a embrassé l'islam avant. Yani, on ne fait que descendre comme ça. C'est à cause de ça qu'il faut lire le Coran. Vous savez que les centres de production du Coran sont très nombreux dans le monde. Vous avez le Majma' Faisal, vous avez la maison d'édition de Azhar en Égypte, vous avez la maison du Koweït, la maison du Soudan et tout ça. Vous avez ces maisons de publication du Coran. Mais vous savez, la maison d'édition de publication du Coran, Majma' Faisal, quelle est la présentation de ces Corans-là? Vous avez dans chaque page 15 lignes. Et chaque ligne a en moyenne 30 lettres. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chers? En moins de 2 minutes, quand tu lis une page de ce Coran, Allah te donne 5000 récompenses. Et si on se limite à l'aspect apparent du verset du Coran, Inna al-hasanat yuzhibna al-siyat, Allah te donne 5000 récompenses, il t'efface 5000 péchés. Regardez, subhanallah, où nous perdons notre temps à regarder les matchs de football, à se tenir au bord de la route, les filles et tout ce qui manque là. C'est mieux de poser tes regards sur le Coran. Parce qu'en moins de 2 minutes, tu te retrouves avec 5000 récompenses. Qu'est-ce qu'il dit de celui qui lit Adélihisme, un hisse bantier ou deux hasards, sans oublier dans la salah ou meladali, tu te retrouves avec des récompenses que toi-même tu ne peux pas imaginer. Nous avons entendu nos savants dire que celui qui est tout le temps avec le Coran, Allah va lui donner ce qu'il ne donne pas et ce qu'il demande.
الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.